Tu veux que je te raconte l'histoire des 5 chevreaux ? Ok, mais moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0, 0. Est-ce que tu connais le conte « Le loup et les 7 chevreaux » ? C'est un conte des frères Grimm qui raconte l'histoire d'une chèvre, mère de 7 chevreaux, qui se prépare à aller chercher de quoi manger dans la forêt. Avant de partir, elle réunit ses 7 petits chevreaux et les met en garde contre le loup qui pourrait venir les manger pendant son absence. Et ce qui devait arriver arrive. Alors que la mère chèvre est partie, le loup arrive, frappe à la porte de la maison et mange les chevreaux. Je ne vais pas te raconter la suite de ce conte, mais je vais quand même te parler d'une histoire de chevreaux. De 5 frères et sœurs chevreaux. Avant de te raconter la suite, j'ai une devinette pour toi. À ton avis, une chèvre a plus ou moins de dents que toi ? Eh bien, plus que toi, mais autant qu'un adulte. Une chèvre a 32 dents, des incisives et des molaires. La seule différence avec les humains, c'est qu'elle n'a pas de canine. Normal, ses dents sont adaptées à son alimentation. Et tu le sais, les chèvres sont herbivores, elles ne mangent que des végétaux. Pour en revenir à notre histoire, il n'y a pas de loup. Mais il y a bien une mère chèvre et ses petits chevreaux. Et la particularité de cette chèvre, qui s'appelle Délie, c'est qu'elle a eu ses 5 chevreaux en une seule portée, des quintuplés. Ce qui est assez rare. En moyenne, les chèvres donnent naissance à 2 chevreaux. Et bien là, dans cette ferme pédagogique d'Aveyron, en Occitanie, Délie a donné naissance à 5 petits chevreaux. Tout le monde est en pleine forme, mais les responsables de la ferme pédagogique sont bien occupés. Les bébés doivent être nourris au biberon. Impossible pour Délie d'allaiter 5 chevreaux en même temps. Tout ce petit monde grandit bien, pour le plus grand bonheur des futurs visiteurs. Car cette ferme pédagogique se visite et va bientôt rouvrir au public qui pourra donc rencontrer cette jolie famille. Illustration vivante d'un nouveau conte qu'on pourrait appeler Délie et ses 5 chevreaux. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça. Bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je veux pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.